Maintenant, on va voir le calque de réglage seuil. Alors ce calque est assez extrême. Vous allez voir que par défaut, il se met à 128 ici. Et ce qu'il fait, c'est que tous les pixels en dessous de 128 vont être rendus complètement noirs et tous ceux au-dessus de 128 vont être complètement blancs. Donc en déplaçant sur sort ça me permet vous voyez, de régler l'effet cette, sur cette image. Donc, comme je vous le dis, c'est assez extrême, puisque vraiment, il n'y a pas d'entre deux. C'est vraiment tout ce qui est en dessous euh, en noir, tout ce qui est au-dessus en blanc. Euh, personnellement, si je veux faire ce genre d'effet, euh, je vais préférer y aller à la main, en utilisant, par exemple, un calque de teinte de saturation pour enlever complètement la saturation de mon image, et ensuite un calque de niveau qui va me permettre de faire la même chose. Donc là, si je euh, réduis... La gamme de tons ici, donc c'est-à-dire que en augmentant ce curseur, comme on l'a vu sur le cours, euh, dans le cours sur les niveaux, en augmentant ce curseur, donc tous les pixels qui sont en dessous de 112 ici vont être noirs et tous les pixels au-dessus de 129 vont être blancs. Donc si je le réduis vraiment à l'extrême, vous voyez qu'on obtient à peu près le même effet, mais avec plus de contrôle. Donc c'est-à-dire que si je veux avoir un effet un peu plus doux ici sur les bords, par exemple pour ne pas avoir quelque chose de, de, de trop pixelisé comme ça, eh bien je peux écarter un peu les deux curseurs ici pour retrouver quand même quelque chose d'un peu plus harmonieux. Donc voilà pourquoi moi je préfère le faire à la main si jamais j'ai besoin de faire cet effet, puisque l'effet de seuil est lui assez, assez extrême. Donc voilà pour le seuil et la façon de le refaire à la main.